Bienvenue en ce cinquième jour de M18. Il m'est venu un putain de blues intergalactique que laisse tomber. Bon, voilà, il y avait les trois éléphants, c'est monothéiste. Moi j'étais le quatrième éléphant, voilà. Et puis à la Luc Besson, ma cantatrice c'est le cinquième éléphant, et puis c'est tout. Je me suis mis à chialer, en plus on est le 5, j'avais la cassette, la 5. Ces trucs c'est de 89. Il y a du bol d'or, des machins comme ça, tu sais. 89. J'ai 20 ans. Et moi, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon. Après, là, il y avait ce truc-là. C'était le tramway. Dans toutes nos éditions aujourd'hui, vous l'avez vu dans l'édition locale tout à l'heure à 18h50, nous avons voulu nous arrêter sur la construction du tramway à Nice en ce moment. Et on peut dire que c'est le sujet de conversation numéro 1 des Niçois. Les travaux exaspèrent ou passionnent. Bref, il y a vraiment un impact tramway sur la ville en ce moment, à commencer par l'impact économique. Exemple pour les salariés du Café Turin, le tramway veut dire chômage. Nathalie Layani, Jean-Christophe Routier. Place Garibaldi, c'est l'un des établissements les plus connus de Nice. Une clientèle fidèle, un chiffre d'affaires solide et une salle souvent bondée. Tout ça, c'était avant les travaux. Bon, vas-y, le briquet, pas chier. Je ne reviens pas de ce qui se passe. Quand je dis le tramway, ça a tué tous les emplois du Café Turin et il y aura même de la perte. Et je remercie monsieur le maire avec tous les infos qu'on donne. Voilà. Ce matin-là, les 47 salariés ont été convoqués par la direction. Coup dur, le tiers du personnel doit être licencié. Le restaurant n'a plus de terrasse, 15 000 couverts en moins. Rien de vraiment étonnant dans le quartier. À deux pas rue de la République, certains magasins de prêt-à-porter ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 50%. La commission d'indemnisation a déjà dépensé 200 000 euros pour une cinquantaine de commerçants niçois. Il faut tenir le temps des travaux. Qui c'est qui va rester debout? Je veux dire, c'est ça la logique des choses. Mais qui c'est qui va rester debout? C'est ça le problème. C'est que baisser le rideau, quand vous n'avez plus rien, vous serez obligé de baisser le rideau et faire comme tout le monde. En remontant le tracé du futur tramway, en se faufilant rue Jean Médecin, dans la fourmilière de Badeau, nous arrivons chez André, boulevard Malocena. Alors comment ça se passe depuis le début des travaux? Très fatigant, très déprimant même, parce que c'est un bruit infernal par moment. Pendant une semaine à peu près, il y a eu un peu de calme, et là, depuis, ils ont supprimé le kiosque à journaux, vous savez, mais alors, à des coups terribles. T'as pas vu à du bouchage. André n'a pas la force de déménager. D'autres ont déjà fait leur carton, et leur cauchemar quotidien est devenu un argument de vente. Dans le quartier, la future qualité de vie liée au tram fait grimper les prix. Les affiches font sourire aujourd'hui. Elles ont déjà convaincu quelques acheteurs. Ah ouais. En tout cas, face aux critiques, le maire de Nice continue de penser que ce projet est bon pour sa ville. Il semble être conscient des désagréments. Et son argument est toujours le même, patienter, et après, certains d'entre vous changeront d'avis. Tu vois pas qu'il y en a marre, là? Et le cinquième jour, il leur dit. Ah, c'était Perra encore. C'est normal. Il est évident que, à l'endroit où on fait les travaux, ça provoque des nuisances pour les commerçants, pour les habitants, pour ceux qui travaillent avec la voiture. Taxi, médecin, sage-femme, etc. Depuis, il y a tout clément. Bref, c'est jamais très drôle d'avoir des travaux. La République. Les détracteurs, c'est pas la même chose. Les détracteurs, ce sont ceux qui... C'est moi le détracteur. En plus, je t'emmerde. De quoi ma femme est grosse. Et le cinquième jour...